Monsieur Adap conçoit et met à disposition de ses centres des outils pédagogiques tels que des kits de formation interne sur plus de 20 thématiques métiers différentes. L'objectif, développer les compétences de nos intervenants à domicile, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Et qui de mieux que nos infirmiers ou infirmières pour les former? En effet, parmi leurs différentes missions chez Adap, ils endossent notamment le rôle de formateur interne et de référent technique. Aurélie, infirmière coordinatrice à Adap Besançon, nous parle de cette mission au quotidien. Je suis infirmière coordinatrice chez Adap depuis 2 ans. Ce que j'aime chez Adap, c'est que j'ai plusieurs casquettes au final. J'interviens au domicile des gens, je peux former les équipes sur différentes thématiques métiers. Je peux transmettre mes connaissances et elles, en retour, me partagent leur expérience terrain. C'est vraiment des moments de cohésion d'équipe. Souvent, les intervenantes sont contentes de venir parce que ça leur permet aussi de changer leur quotidien et de pouvoir échanger entre elles aussi, c'est important. Grâce à ces formations, elles peuvent évoluer dans leur mission au quotidien, devenir des spécialistes dans la maladie d'Alzheimer, Parkinson ou encore en situation de handicap. L'Institut m'apporte vraiment des outils pédagogiques pour pouvoir mener à bien cette mission de formation. La formation que je préfère dispenser, c'est les techniques de manutention. C'est vraiment des mises en pratique sur certaines situations qu'elles peuvent rencontrer chez les bénéficiaires.